وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Aujourd'hui nous allons énoncer inshallah par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa permission, du verset 35 au 39, bi'idhnillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. فزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله تبارك وتعالى أدي آدم dans le sens des versets et nous dit ô Adam habite le paradis toi et ton épouse et nourrissez-vous-en c'est-à-dire de ce qu'il y a dans le paradis de partout à votre guise. Mais n'approchez pas cet arbre, sinon vous serez parmi les nombres des injustes. Donc, après que Allah tabaraka wa ta'ala a créé Adam et qu'il a ordonné aux anges de se prosterner pour lui, il lui a ordonné de vivre dans le paradis, lui et son épouse. D'ailleurs, dans la langue arabe, as-sahih, c'est pour l'épouse, on ne dit pas zaoujah avec un ta marbouta. Ça a été dit. Les gens, ils l'ont accepté, mais normalement, même pour l'épouse, on dit « Zawjuka »,« Zawju ». Comme ici, Allah Ta'ala dit à Adam, il ne lui a pas dit « Zawjatuka ». Il a dit « Uskunu an, il a dit « Qulna skun anta wa zawjuka ». Mais il n'y a pas de mal, c'est utilisé maintenant, dire « Zawja ». Mais « Al-Fasih »,« Al-Sahih », c'est « Zawj ». Il n'y a pas besoin de dire « Zawja ». « Zawj », ça se dit pour l'épouse ou pour le mari. Comme Allah Ta'ala a dit ici à Adam. Donc Allah Ta'ala lui a ordonné de vivre dans le paradis. Lui, Adam, alayhi salatu wassalam, qu'il a créé sans père ni mère, de sa main, subhanahu wa ta'ala, et qui lui a insufflé de son âme. Et Hawa, qui est sa compagne, que Allah a créé de la côte de Adam, comme il est venu dans les hadiths sahih. Et dans les versets, il a été aussi énoncé que la femme a été créée de l'homme. Donc Allah Ta'ala leur a ordonné de vivre dans le paradis. Et leur dit qu'ils pouvaient se nourrir de tout ce qu'il y a dans le paradis à leur guise. C'est-à-dire, quand ils veulent, tant qu'ils veulent, et comme ils veulent, sauf un arbre. Cet arbre-là, ce n'est pas comme cité chez les chrétiens, le pommier ou la je ne sais quoi. Nous, on dit un arbre.
Allah Ta'ala, il a dit un arbre. Il n'y a de rien d'authentique qui dit c'est quoi, quel est ce genre d'arbre. Et c'est pour ça qu'il est faux de dire, par exemple, que Adam il a mangé la pomme. Nous, on ne dit pas cela. C'est les chrétiens qui disent ça. Nous, on ne dit pas il a mangé la pomme. On dit il a mangé de l'arbre interdit. D'ailleurs, chez les chrétiens, c'est du savoir. C'est-à-dire la connaissance. Donc pour eux, le savoir, c'est profane. Et ce n'est pas une bonne chose. Alors qu'en islam, le savoir, c'est demander. Allah Ta'ala, il dit Iqra. Le premier verset révélé au prophète, c'est Iqra. Et Adam, alayhi salatu wa salam, il l'a élevé par rapport aux anges avec quoi ? Avec le savoir. Donc la conception de la science et du savoir chez les musulmans, elle n'est pas du tout la même que la conception de la science et du savoir chez les chrétiens. Auparavant, dans les années obscures qu'ils appellent le Moyen-Âge, pour nous, c'était pas obscur, alhamdoulilah, c'était les années où les musulmans, ils ont découvert beaucoup de choses et qu'ils avaient la science et qu'ils développaient même pas mal de sciences de ce bas-monde terrestre. Pour eux, dès que quelqu'un apprenait la science ou il faisait des découvertes scientifiques, ils le combattaient, ils le traitaient d'hérétique et d'apostat et ils le brûlaient. Alors que, alhamdoulilah, au contraire, chez les musulmans, quand quelqu'un apprenait une science utile, il développait une science utile, qui était bien sûr pas contradictoire au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était encouragée. Ça a été la cause, alhamdoulilah, de développer pas mal de sciences que les musulmans ont développées. D'ailleurs, le monde entier, avant l'islam, ne connaissait pas la science de l'expérimentation comme les musulmans l'ont développée. Car Allah Ta'ala a dit dans le Coran, il a ordonné aux musulmans d'aller sur terre et de regarder. Et d'expérimenter et de comprendre les sunnas d'Allah sur terre, de comment Allah il a fait les lois sur terre et d'en tirer des règles. Donc toutes les lois, la mathématique et les lois de la physique et je ne sais quoi. Tout ça pour dire que nous on ne dit pas comme les chrétiens que Adam il a mangé la pomme du savoir, c'est pour ça qu'il a été banni. Ça c'est un. Deuxièmement, contrairement aux chrétiens, nous on ne reconnaît pas le péché originel, c'est-à-dire que on est tous nés coupables du fait du péché de notre père Adam. C'est faux. Car comme on va le voir dans les versets, Adam, alayhi salatu wa salam, effectivement, il a fait l'erreur, il a péché, mais il s'est repenti. Et Allah a accepté son repentir. Donc le musulman ou l'être humain, il ne naît pas pécheur. Dans le sens où il porte sur ses épaules le péché originel de Adam, alayhi salam. Adam, alayhi salatu wa salam, Allah lui a pardonné. Donc personne ne porte son péché. C'est par la sagesse d'Allah qu'on est sur terre. Et c'est par la sagesse d'Allah qu'Allah il a voulu que Adam désobéisse et qu'il descende sur terre. Tout ça pour qu'on soit éprouvé. Et pour voir lequel d'entre nous est pieux et lequel d'entre nous est mauvais. Et pour qu'on soit des témoins contre nous-mêmes yawm al-qiyam. Donc cet arbre, on ne sait pas quel est l'arbre. Et Allah Ta'ala les a prévenus que s'ils mangent de cet arbre interdit, ils seront parmi les zalimin, les injustes. Comment on définit l'injustice ? On dit cette chose, elle est injuste. L'injustice, les savants l'ont définie. Ils ont dit, c'est le fait de mettre une chose à un endroit qui n'est pas sa place. De ne pas mettre les choses à leur place, c'est une injustice. Et la sagesse, c'est le contraire. C'est le fait de dire et de faire les choses au moment opportun et dans l'endroit opportun. Donc c'est une injustice qu'ils ont fait envers eux-mêmes. Car Allah leur avait autorisé de manger tout ce qu'il y a dans le paradis, quand ils veulent, comme ils veulent, à la quantité qu'ils veulent. Mais Shaytan n'a cessé de leur insuffler les mauvaises idées et de faire l'effort sur eux et de les tromper et de leur dire « Allah, il ne vous a interdit de manger de cet arbre que parce que vous allez être des anges ou des gens éternels ». Ce verset prouve aussi que chaque personne qui désobéit à Allah est un injuste. L'injustice, elle est de plusieurs catégories. L'injustice envers Allah, l'injustice envers soi-même et l'injustice envers les autres. L'injustice envers Allah, c'est de lui donner un associé alors qu'il t'a créé. Et Allah Ta'ala a nommé le shirk comme une injustice. Et il a dit, quand il a dit donc que Luqman disait à son fils, n'associe pas à Allah, car certes, le polythéisme est une injustice énorme. Il y a l'injustice envers soi-même. Quand la personne désobéit à Allah, fait des péchés, délaisse des obligations,
Pensez-vous qu'il fasse du mal à Allah? Allah tabarak wa ta'ala se passe de l'univers, mais il se fait du mal à lui-même. Et on va le voir dans la dua justement, quand Allah ta'ala dit ces paroles qu'Allah a enseignées à Adam. Oh notre Seigneur, on s'est fait de l'injustice envers nous-mêmes. Donc quelle est cette injustice envers eux-mêmes? La désobéissance. Car la personne, quand il désobéit, envers qui il a été injuste? Envers lui-même. Car il s'est mis en danger. Il s'est sorti de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mérité par cela la colère ou le châtiment d'Allah. Donc Allah les a mis en garde de ne pas manger de cet arbre. Car s'ils mangeaient de cet arbre, ils feraient partie des injustes. Puis le shaytan les fit glisser de là. C'est-à-dire il les a poussés et il les a fait glisser dans le péché. Il n'a cessé de leur insuffler le mal jusqu'à ce qu'il ait réussi à les convaincre. Ça montre aussi que le shaytan, il ne peut que t'insuffler. Mais la décision finale de faire l'erreur ou le péché, c'est l'homme qui le prend. C'est pour ça qu'il est questionné sur ses choix. Shaytan ne peut te forcer à désobéir à Allah. Il te ramène, il t'embellit la désobéissance et il te fait négliger la gravité du péché et de la désobéissance jusqu'à ce que tu décides de par ton propre choix de commettre ce péché. Donc Shaytan n'a cessé de faire l'effort sur eux jusqu'à ce qu'il les ait fait glisser dans le péché et jusqu'à ce qu'il ait réussi à les faire sortir du paradis. Et les a fait sortir du lieu dans lequel ils étaient, le paradis. Et Allah tabarak wa ta'ala dit wa qulna ihbitu, et nous dîmes, descendez ennemis les uns des autres. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps déterminé. Ennemis les uns les autres, c'est ennemis les fils d'Adam contre Shaytan et sa descendance. Allah tabarak wa ta'ala a prévenu de cela dans le Coran. Certes, Shaytan est un ennemi. Prenez-le donc comme ennemi. Il ne fait qu'appeler son parti à être des gens de l'enfer. Allah ta'ala dit dans un autre verset aussi, allez-vous le prendre lui ainsi que sa descendance, Shaytan, comme allié en dehors de moi alors qu'ils sont pour vous des ennemis. Quel est l'objectif de ton ennemi? Faire son maximum pour que le mal t'atteigne. Et faire son maximum pour empêcher que le bien te touche. N'est-ce pas? Donc si on a compris que Shaytan est notre ennemi et sa descendance sont nos ennemis, alors on saura qu'ils veulent pour nous que le mal. Comment alors on l'écoute et on le suit? Et Shaytan, il fait des fausses promesses. Il trompe le croyant. Shaytan, il vous fait craindre la pauvreté et il vous ordonne la perversité. Et Allah vous promet un pardon de sa part et une générosité. Et Allah est immense et savant, subhanahu wa ta'ala. Donc toujours, il y a la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour celui qui fait les bonnes actions, celui qui obéit, celui qui délaisse les péchés et qui s'interdit de désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, la promesse d'Allah. D'être heureux et de ne pas être triste et de ne pas être égaré et de ne pas avoir peur, comme on va le voir dans les versets. Et la promesse de Shaytan qui vient promettre aux gens en les trompant, comme il a trompé nos parents, Adam et Hawa, et il les a fait sortir du paradis. Alors Shaytan, il continue à faire l'effort sur nous et à nous tromper pour que nous aussi, nous fassions partie des habitants de l'enfer. Donc Allah tabarak wa ta'ala dit et nous dit descendez. Donc descendez sur terre. Ennemis les uns les autres. Les descendants de Shaytan et les descendants de Adam. Et pour vous, il y aura sur terre une demeure pour un certain temps. C'est-à-dire on va s'établir, on va habiter, fonder des familles, construire. Mais c'est pour un moment qui est court, qui n'est qu'un passage, qui n'est qu'une partie de journée. Et un usufruit pour un certain temps. Vous allez profiter de ce qu'il y a sur terre, mais seulement pour un moment précis, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala ait décidé de nous rappeler à lui. D'ailleurs, quand une personne meurt, on dit quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est à lui que se fait notre retour. Et effectivement, Allah tabarak wa ta'ala, il a écrit l'ajal, le terme de chaque chose et de chaque personne.
Quand ce terme est accompli, la personne a fini son passage sur cette terre et retourne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit, et certes, Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah lui pardonna. Certes, c'est lui le grand pardonneur et le très miséricordieux. Ces paroles, comme on a dit, cela a été décrit dans d'autres versets du Coran. Quelles sont ces paroles ? Allah Ta'ala a enseigné à Adam les paroles à dire pour demander le pardon. Et il lui a enseigné ces paroles. Rabbana, notre Seigneur, nous sommes faits de l'injustice à nos propres personnes. Et si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous fais pas miséricorde, nous ferons certes partie des perdants. Donc Allah Ta'ala lui a enseigné ces paroles. Les paroles avec lesquelles il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, Allah ta'ala lui a pardonné. C'est-à-dire qu'il lui a permis de demander le pardon et il a accepté son pardon et son repentir. Ce qui repousse la croyance des chrétiens qu'on a un péché originel. Donc les chrétiens portent une haine contre Adam alayhi salam. Ils disent qu'on a un péché originel. Et après, ils sont allés dire, oui, mais Isa est venu, il s'est sacrifié pour nous. Voilà, donc tout le monde, tout est à cause des autres toujours. Les péchés, c'est à cause des autres. Et le pardon, c'est grâce à quelqu'un. Eux, ils ont pas, il ne faut pas faire d'action. Il n'y a rien à faire. C'est bon. Le péché, il est à cause d'Adam et le pardon à cause de Isa. Et nous, on est là, on danse, on chante et on crie. Et c'est bon. Voilà leur religion. Alors que le musulman, il a une responsabilité. Allah Ta'ala nous raconte ce qui s'est passé pour qu'on comprenne que la nature de Adam et des enfants d'Adam, c'est l'erreur. C'est le péché. L'être humain, il est injuste. Il fait des erreurs. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de l'être humain, wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. L'être humain a accepté ce dépôt qui est la religion, mais pourtant il est très injuste et très ignorant. Donc l'être humain, il est injuste et ignorant. Et cette injustice et cette ignorance, il la repousse de lui en apprenant sa religion et en la mettant en pratique. Là. Donc on voit dans ce verset que Adam alayhi salatu wassalam, qui est notre père à tous, dont la nature donc de notre père Adam et des fils d'Adam, c'est de se tromper. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout fils d'Adam fait des erreurs, fait des péchés. Et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Donc, Adam alayhi salatu wassalam fait partie des meilleurs des hommes, car il se repentit et Allah a accepté son repentir. Donc faire l'erreur et se tromper, c'est la nature humaine. Mais le problème et la chose sur laquelle la personne rendait compte, c'est quand il n'essaye pas de corriger son erreur. Quand il ne se repent pas, quand il ne demande pas pardon, quand il ne corrige pas le mal qu'il a fait. Donc, innahu huwa at-tawwabur rahim. Et Allah tabaraka wa ta'ala donc a affirmé parmi ses attributs, il y a le fait d'être pardonneur, d'accepter le pardon. Alhamdulillah, on a un Seigneur pardonneur qui tend la main la nuit pour accepter le pardon du pécheur du jour et qui tend la main le jour pour accepter le pardon du pécheur de la nuit et ceci jusqu'à que le soleil se lève de son coucher. Ar-Rahim bil mu'minin, miséricordieux avec les croyants, yawm al-qiyamah, spécifiquement. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Miséricordieux avec tout le monde dans ce monde. Il leur a donné de l'eau, il leur a donné la vie. Il a donné à l'humanité tout ce dont ils ont besoin, même des gens qui insultent Allah matin et soir. Mais Rahim, c'est spécifique aux croyants yawm al-qiyama pour les traiter avec miséricorde yawm al-qiyama. Nasallahu an yarhamana. Puis Allah Ta'ala dit, nous dîmes, descendez de cette place, c'est-à-dire du paradis, vous tous. Toutes les fois qu'une guidée vous viendra de ma part, ceux qui suivront ma guidée n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a descendu Adam et Hawa et Shaytan tous sur terre. Shaytan pour faire le waswas et embêter Adam, Allah lui a donné un temps. Et Adam et Hawa pour qu'ils passent leur épreuve sur cette terre. Et leurs descendants, les descendants de Adam et Hawa et aussi les djinns. Car les djinns aussi sont responsables de leurs actes. Et ils doivent suivre les ordres et délaisser les interdits et adorer Allah seul. Et ils font partie de ceux qui se feront juger et qui rendront des comptes et qui habiteront le paradis et l'enfer, comme l'homme. Donc, Allah Ta'ala a ordonné à tout le monde de descendre sur terre. Et il les a prévenus.
quand une guidée vous vient de ma part, Houdan, cette guidée-là, les savants ont dit, c'est quoi cette guidée? C'est le livre et le messager. Elle est dans le livre qu'Allah révèle, donc auparavant, les livres révélés auparavant, puis après le Coran, et les messagers qui ont été envoyés pour appeler les gens à ce livre, et pour enseigner le livre, et pour venir avec des enseignements de la part d'Allah, tabarak wa ta'ala. C'est ça la guidée. La guidée, c'est ce avec quoi les messagers sont venus. Et la guidée aujourd'hui, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout ce avec quoi a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme guidée et preuve évidente pour l'humanité. Donc Allah ta'ala a prévenu qu'il va envoyer des messagers et qu'il va envoyer des rappeleurs. De quoi être la cause de la guidée des gens, qui est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'avènement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a prévenu, celui qui suit cette guidée, ils n'auront nulle crainte et ils ne seront pas affligés ou attristés. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit, il ne sera pas égaré, il ne sera pas parmi les perdants. Donc celui qui suit la guidée, il a quatre promesses. Il n'a pas peur, il ne sera pas triste, il ne sera pas égaré et il ne sera pas par ceux qui vont être parmi les perdants. Donc, s'il a ces quatre promesses, il est préservé des quatre qui sont opposés. De même que celui qui ne suit pas la guidée qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie, il aura les quatre opposés. Il aura la crainte et il sera attristé et il sera égaré et il sera parmi les perdants. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « Fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun » Al khawf, la peur, elle vient de ceux qui t'attendent dans le futur. « Wa lahum yahzanun » et le huzn, la peine, elle est de ceux qui est passé. Donc les gens, ou bien ils sont dans la peine de ceux qui leur est arrivé auparavant, ou bien ils ont peur de ceux qui risquent de leur arriver plus tard, n'est-ce pas? Alors que celui qui suit la guidée, ni il n'aura de la peine. C'est-à-dire que rien ne va le toucher de mal en soi, ni il ne va avoir peur du futur, car Allah ne lui a promis que de la réussite et de la guider. Non. Mais ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonges nos ayats, nos preuves, nos signes, nos versets, nos enseignements, tels sont les compagnons du feu où ils y demeureront éternellement. Donc ça c'est le contraire, ceux qui ne suivent pas la guidée, ceux qui mécroient, ceux qui rejettent, ceux qui renient les signes. Al-ayat. Comment on appelle un verset du Coran? Une ayah. Ayah en arabe ça veut dire un signe. Et d'ailleurs un des plus grands signes, un des plus grands miracles, ça veut dire miracle, de cette communauté c'est le Coran. Et les versets du Coran en réalité ils sont des miracles, c'est pour ça que c'est des ayat, les miracles, les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Allah Ta'ala a mis des signes et des miracles, a révélé le Coran, qui est sa parole, subhanahu wa ta'ala, et il a fait aussi des signes et des miracles dans notre création et dans la création de l'univers autour de nous, pour celui qui médite. Et ces signes et ces miracles sont évidents pour la personne sincère et pour la personne qui cherche la guider. C'est pour cela, celui qui rejette ces signes et qui ne veut pas suivre les versets et les enseignements du Coran, voilà les compagnons du feu. Il sera avec le feu comme le meilleur compagnon, il est avec son ami. C'est-à-dire, ils ne se séparent jamais, ils sont tout le temps ensemble. Ces gens-là, ils seront les gens du feu, les compagnons du feu. Le feu les accompagnera, combien de temps? Où ils y demeureront éternellement. Sans fin. Imaginez-vous l'éternité. Certains ont donné l'exemple pour s'imaginer. Ce qui n'est pas imaginable en réalité, l'éternité. Que si la terre entière était transformée en graines, et que si tous les 1000 ans, un oiseau venait manger une graine et repartirait, un jour ou l'autre, ces graines finiraient, mais les jours de l'au-delà ne seraient pas encore finis. Donc comment une personne peut vendre l'au-delà contre ce bas-monde, peut risquer de perdre l'éternité de délices et de plaisirs au paradis, avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour gagner quoi? L'enfer éternel. Pour celui qui rejette et qui renie, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mes frères et mes sœurs, le musulman doit s'accrocher à sa foi.
Et pour s'accrocher à sa foi, il doit apprendre sa religion correctement et la mettre en pratique. Et faire les causes pour préserver sa foi et sa religion. Ces causes-là, les causes principales, c'est d'apprendre la religion correctement, de la mettre en pratique, de s'entourer de gens pieux, de s'éloigner des lieux de tentation et de difficultés pour sa religion et sa foi. Voilà pourquoi le musulman doit faire en sorte de se préserver. Et voilà pourquoi il est nécessaire d'avancer et de penser aussi à l'avenir, à nous-mêmes et à nos enfants, de faire le maximum pour les préserver tant qu'on est ici, mais de penser à retourner au plus vite au milieu des musulmans, de vivre au milieu des musulmans, de préserver sa religion, d'apprendre sa religion au milieu des musulmans, car il n'y a rien pour un musulman meilleur que d'être au milieu de ses frères. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ما يحب ويرضاه والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما